Ah, les rotations. Ma conf, c'est un 12900 KF, un i9, 64 Go de RAM et une 3070. Écrit en tout petit. Ce que tu as de marqué en dessous, c'est l'altitude en palier. Et sinon, au niveau de mon curseur, en haut à droite, c'est le palier, c'est l'altitude à laquelle je scanne. Là, je vais scanner entre moins 2 et 25 000 pieds, par exemple. Si c'est ça que tu veux dire. Ah, tu croyais que c'était à 10? Ah non, 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 non. Ça, tu vas retrouver ça à peu près sur tous les modules avec un radar comme ça. Tu le retrouves sur tous les modules, ce système-là. Hein. Donc, effectivement, si je suis comme ça, par exemple, là, je scanne entre moins 9 et moins 38 000 pieds. Donc, en gros, mon radar, il pointe le bac. Il pointe le nez vers les arbres. Donc, là, tu vois, si je me mets comme ça et je me dis, bah merde, pourquoi ça log pas? Bah, tout simplement parce que mon antenne radar, l'élévation est pas du tout bonne. Si je veux l'avoir là, faut que je me mette entre. Enfin, faut que je sois dans la tranche du 0,9, tu vois. Et là, je l'ai. Et là, on a un 18 000 pieds qui arrive. Alors, attends, je vais redescendre un peu. Viens pas dessus. On va pas y aller. Salut 70, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va super, je te remercie. Ah, j'aurais peut-être dû repartir en altitude. Bon, là, c'est trop tard pour le faire maintenant, parce que 24 000 pieds va me cueillir, mais j'aurais peut-être dû faire ça en fait. J'ai un 33 000 pieds derrière. Tu coucheras moins con, ben, tant mieux. Allez, là, j'en ai un en face. Pieds, j'ai pas d'allié qui va dessus là. Sur les deux, là, il n'y a pas d'allié. Ah, si, il y en a un qui a targeté le 24 000. Sur du vin nautique pour l'instant, ça me voit pas. Je pense que ça vole bas, donc tant mieux. On va essayer de les rejoindre. Et attention, parce que le 26 000 pieds, lui, il me voit hein, et il est à portée de tir. On va vite descendre et se protéger avec cette colline. Salut Charlie! Allez, on est à 10 nautiques. J'espère que le data link est correct. Ouais, je me doutais que ça allait le perdre. Là, il bougeait plus. Du coup, je vais continuer d'avancer. On va faire attention quand même. Ok, je l'ai pas vu. Il réapparaît, mais il se fait monitorer par le 11 000 pieds qui est derrière moi. Ok, c'est bon, il ne viendra pas sur moi celui-là. Je laisse le son ici.
Ça ne me vienne pas dessus ceux-là, je vais pas y aller. Ah, on les voit en plus, hein. J'hésite, hein. Là, j'hésite, les gars. J'ai envie d'y aller, en fait. Mais non, non, non. Continue. Je vais continuer au nord. Alors, question. J'ai jamais voulu rentrer dans l'armée de l'air. Après, je sais bien qu'être bon sur un simu fait pas tout. Ah ouais, non, ça a rien à voir. Je peux pas comparer ça. Déjà de base, je pense qu'il voilà, il faut avoir l'envie de rentrer dans l'armée, s'engager, tout ça. C'était pas le cas pour moi. Et si tu veux, j'ai découvert le monde de la simulation bien après. Pour moi, là, si tu veux, j'ai 40 ans, donc bon, ça, c'est cuit, quoi. Je vais pas chercher à comprendre. Et ouais, effectivement, si j'avais connu ce monde-là avant, ça m'aurait peut-être intéressé, ouais. Eh, 12 nautiques, la Fox 3, parce qu'il est haut, là. Hein. Ah, il me voit. Attends, ça passe actif. Je vais quand même passer de l'autre côté de la colline, parce que... Il m'a vu, il a pu tirer. Si je continue devant, je suis pas sûr d'avoir un relief pour me défendre. En tout cas, mon missile, lui, le fait descendre. Hein. Mais il va réussir à le défendre. Ah non, il a pas défendu. Bon, je pense qu'il a failli le défendre quand même. Bon, j'y retourne. Vous voyez pourquoi c'est... Alors c'est mon avis, hein, mais c'est pour ça que je trouve moins fun le F-16. Parce que même pour vous, regardez, tout se passe de loin depuis tout à l'heure. On fait beaucoup moins de merge, on arrive à les avoir de loin. Tiens, là j'ai le 33 000 pieds là. Donc visuellement parlant, vous avez moins de choses à regarder. Je pense que c'est quand même moins palpitant qu'en Mirage 2000 où là tu as des merges, il y a des vrais combats qui s'engagent avec des fois plusieurs appareils dedans. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, ça me fait plus kiffer. Il suffit de voir le cardio. Hein, regardez, ça décolle pas depuis tout à l'heure. Je sais même pas si j'ai dépassé les 140 à un moment donné. Alors qu'en Mirage, je vais me taper des 160 parce que bah, des fois, je me fais peur, quoi. Ouais, il est de mon côté de la montagne. Hein. Par contre, là, c'est dangereux parce que là, si j'ai du monde en dessous, je suis tellement grillé. Il n'a pas l'intention de revenir. Hein. Je vais le lâcher. Parce que là, je vais me faire griller, sinon. Je vais me faire voir par ceux qui arrivent par là. C'était peut-être déjà le cas. Hein. Hey, Trace Killer. Merci pour le follow. Comment tu vas? Bon, on fait gaffe là. Il est devant, il est loin. C'est peut-être celui que je voyais, mais je suis pas sûr. Je vais bientôt pouvoir larguer les bidons. Toujours rien ici. Pas de condensation. Cette zone est très dangereuse là, ça peut venir à tout moment par ici. Allez, on part vite sur la gauche. On va essayer de choper un peu de SA. Espérons que je ne me sois pas fait griller là. En tout cas, je suis pas éclairé. Ça a l'air d'aller. Je vois rien du tout. Salut Nicolas, merci pour le sub, bienvenue à toi. Et vous êtes chaud ce soir les gars, vous êtes chaud, ça fait plaisir. Allez, on a un basse altitude qui arrive. Je vais larguer les bidons, repasser sur les Fox 3 et on va essayer de lui balancer un Fox 3 en vitesse. Fais gaffe parce que, à mon avis, il y a du monde. Parce que lui, je le vois, mais il y en a peut-être des plus proches que ça que je ne vois pas. Ok. Allez, à 10 nautiques, montez le nez vers le haut. Fox 3, vite parce que t'as les SA-15 là qui vont arriver. C'est actif, on repart tout de suite derrière la colline.
Et on attend, on va voir s'il se le prend ou pas. Vous voyez, là, je tire, je me barre. Du coup, vous voyez même pas, en fait, si je l'ai. Heureusement, on a le message Kappa dans le chat. On voit qu'il fait demi-tour cette fois, tu vois. Comme tout à l'heure, ils ont tendance à foncer dessus. Là, il a fait demi-tour. C'est pas dit que ça touche. Oh, je suis cueilli par un F-16 là. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ah, j'ai un allié derrière. Ah putain, je suis pas là. Il me voit toujours, hein. Ok, c'est le 30 000 pieds que je viens de voir qui m'éclaire, je pense. Allez, on va tenter une percée. Attention, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un site SAM pas loin à cet endroit-là. Personne. 36 000 pieds en face, c'est la wax. Allez, je fais demi-tour, c'est pas la peine de continuer là-dessus. En revanche, le 22 000. Ah putain, le 5 000 pieds qui apparaît maintenant. Salaud. Salaud. J'ai de l'allié qui arrive. Allez, putain, chope-le, voilà. On va passer par là. On va essayer d'aller le rattraper, celui-là. Pas l'air de nous venir dessus, je le vois pas dans la box. Je sais pas s'il est là. S'il est là. Il me semble voir quelque chose par là, mais je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr du tout, en fait. Il me reste 4007. Je me demande si la wax il me fait pas faire de la merde, là. De disparaître. Ok. Qui me faisait bien faire de la merde, la wax. Hein. Ah, il est déjà passé. Dommage. Dommage, dommage. C'est ce qu'il me trouve derrière. Ah! Juste à côté celui-là. Hein. Ah, je l'ai vu. Ah, je pense qu'il a abattu un allié là. Il est là. On est loin, il est à 4 nautiques. Ça touchera pas ça si je tire. Il revient là. Hein. Il revient. Attention parce qu'il y a un allié dans la fight. Allez, Fox 3. Il est concentré sur lui là. Splash. Je pense que j'ai aidé mon allié là du coup. Hein.
Allez, on va replonger là-dedans. On retourne vers chez eux. On a 25 000 pieds. Ça, ça peut être intéressant, ça, parce que ça doit condenser. Tu veux... Ah ! Assez précis. Ok. C'est un Fox 3. Clear devant. J'ai un allié qui est dessus. Hein. J'ai un allié qui est dessus. Attention parce qu'il peut y avoir du monde ici aussi. Hein. Je me fais tellement voir là, oh là là, j'aime pas ça. Là. Alors, pas sur les Fox 3, il doit être cool celui-là, non pas encore. On a 4 nautiques. Tu l'as vu par un F-16. Non, ça peut pas être lui. Ok. Fox 3, ça peut y aller ça. Attends, on est sur le Fox 2, on se prépare à tirer quand même, mais je pense que le Fox 3 va y aller. Oh là là, tout juste, hein. Ça a failli se prendre la colline. Hein. Attention, parce que j'ai été éclairé par un F-15 à un moment donné. Là, c'est un F-16. Descends. J'ai plus de Fox 3, hein. Ouais. Ah, c'est ennemi, le gars, hein. Fox où? Ah, je vais mourir, là, non? Fox 2 again? Il l'a évité. Mais là, par contre, je me place bien. Putain, mais les deux Fox 3 ont été évités, hein. Ne dis pas que c'est ce que je crois, et je crois que c'est ce que je crois. C'est un mirage. J'aime pas ça. Oh là là, il y a un merge, on a vu un autre avion. Je suis pas dessus, je suis pas dessus, je suis pas dessus. Ah! Oh, ça a touché. Attends, parce que là, il peut me faire overshoot facilement, là. Ah, c'est pas un mirage, c'est un F-16. Il va me faire overshoot, il va me faire overshoot. Il est en train de me ramener chez lui là. Oh là, il a pris plein de gueule là. Allez, hop. Alors, tu voles plus avec ça. Tu voles pas, mais tu rigoles. T'as vu ce qu'il vient de prendre là? Allez, allez. C'est costaud un F-16, hein? Non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah bah, s'il te plaît. Ah, je pense que je vais pas le ramener par contre celui-là. Ça va être compliqué. Oh, oh. Je pense qu'il y a eu un merge. Je suis pas sûr, hein, mais... Bon, c'est le moment où il faut se faire tout petit. On va essayer de rentrer, les gars. Il me reste 1000. 1000... Aïe aïe aïe, on a fait pire, mais on est quand même vachement chez eux là. Ouah, ça va être tellement chaud. On part au 180, on va pas chercher, on va couper à... J'ai de la chance parce que j'ai un allié juste à côté. Hey, salut Peralto, comment tu vas? 14-3, ça va le carnet? Ouais, ouais, ça va. C'est cool hein, quand ça se passe comme ça. Il y a un petit peu moins de gloire quand même, parce que bon, c'est le F-16 quoi. 900. Bon bah maintenant le challenge c'est de le ramener, hein, si je me fais pas intercepter avant. Sachant que j'ai un ennemi quand même pas loin là. Hein. Si je peux monter,
Et malheureusement, j'ai très peu d'alliés dans la zone. Si je peux monter haut et gérer mon Kero, normalement, lui, je le ramène. Malheureusement, là, j'ai un ennemi qui est pas loin. Oh, mission qui restart dans 2 minutes. Ça, c'est dégueulasse. Parce que là, si je le ramène pas, ce sera à cause du restart. On va essayer, hein. 2 minutes, je le ramènerai pas. On est à 69 nautiques. Bon allez, 59 parce qu'en général le weapon t'es pas tout à fait dessus et je suis éclairé par un F-16. On va se cacher, on a 2 minutes à survivre, allez. J'ai très peu de vitesse. Je sais pas quel est ce F-16 qui me voit là. Il est pas derrière, il va me lâcher, il va me perdre là. Voilà. Allez, faut tenir le coup, 2 minutes. C'est musé celui-là si tu le rentres. Bah non, j'ai pas fait de perfect. Hein. Salut Santiago, merci. Bonne soirée Adrien, merci d'être passé en tout cas. 1 minute. On a 700. Attends, faut pas que je m'écarte trop de mon cap parce que ça va être compliqué. Enfin, de toute façon, je fais ça, mais je sais que je le ramènerai pas celui-là. J'aurai pas le temps. J'essaye de le poser sur une colline. Ah, j'aurai pas le temps non plus, de toute façon, c'est trop tard. Il faut que je le fasse avant. Ça va s'arrêter avant. Il me reste 600. Ah, il est pas loin en fait, là, regarde-moi ça. Ah ouais, il a 5 nautiques quand même. Hein. Et attends. Ouais, non, j'ai pas le temps, mais sinon, ça aurait pu être marrant d'essayer de faire le dogfight. S'il me tue pas avant, parce qu'il est quand même vachement proche. Hein. Ah, c'est bon, c'est fini. Fini. Bon. 15-4, c'est pas mal. C'est pas mal.